Salut tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Demon's Crush qui est un jeu néo-rétro, c'est-à-dire ces jeux qui ressemblent à d'anciens jeux mais qui sont faits avec les moyens modernes. Du pixel art, de l'action, une traduction en français, une démo sur Steam à l'occasion du Steam Fest. On va voir ce que ça donne. Allez, Hajime, c'est parti. Ok, ça a l'air assez joli. Ça a l'air assez joli. J'ai vu passer le truc, je me suis dit, ah, peut-être moyen que ce soit cool quand même. Et c'est vrai que là, pour le Steam Fest, on a vu plein de jeux, mais j'ai pas fait mes petits jeux néo-rétro habituels, donc ce sera le premier. Alors, comment ça se passe? Donc, dans l'eau, on est ralenti. Ok, jusque là, pourquoi pas. Voilà, la dynamique de saut, elle est horriblement difficile. On verra si c'est pensé dans le gameplay, mais on a une roulade qui nous fait ralentir, et on a un saut qui a vraiment une physique très immédiate, qui est pas du tout... complexe, je pense, dans le code. Et du coup, qui rend le truc assez vénère. On verra ce que ça donne sur le jeu dans son gameplay. Parce que des fois, ça peut être pénalisant et des fois, pas du tout, suivant comment les choses ont été faites. Alors, on appuie sur B. Ah, je reconnais cette manette pour utiliser le grappin. Sekiro, on pense à toi. Ah ouais, les contrôles sont très bizarres. Mais le visuel des boîtes. Alors, on a LB. Ah oui, d'accord, c'est vraiment Sekiro, quoi. La parade et tout. C'est un Sekiro 2D. C'est pas vrai. Ah, je m'attendais pas à ça, si jamais c'est le cas. Oh, joli. Un jeu sans texte. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc déjà, on récupère ici. Ok. Alors, si on fait vers le haut, on a un peu un aspect beat'em all. D'accord. C'est très différent de ce à quoi on a l'habitude de jouer dans ce style de graphisme là. C'est un peu un trompe-l'œil. On s'attend pas du tout à ça. Ah ouais non, par contre je suis désolé, de toutes mes forces je conteste la physique de soi. Ça c'est pas possible. Par contre, la mécanique de combat, elle a l'air marrante. Mais ouais, la physique de saut, elle est ultra désagréable. En fait, quand tu sautes, déjà de base, il est accélération très nette sur le saut. Et en fait, quand tu fais vers l'avant, tu peux pas changer de direction facilement. Je sais pas si vous sentez le truc, mais il y a un peu un truc d'élan. Alors, qui est logique, hein, ça crée une physique. Mais le truc, c'est que c'est pas une physique qui me semble extrêmement bien dosée. Et donc, pas très agréable à jouer. Ah, nous avons le bâton. Avec Y. Ok. Par contre, les systèmes de combat ont l'air cool. Donc on verra bien. Ouais, c'est ça. Après, il y a les armes et tout. Ça a l'air sympa. Ouais, donc on a le saut. Très bien. Alors, ça fait quoi, ça? Ouais, pareil, côté lisibilité, c'est très dur de voir les choses parce que ça arrive très vite pour les projectiles. Oh, le bruitage qui mettait un coup de Street Fighter de Super NES dans les dents, là. Ah, donc on peut aussi faire ça avec le bâton, d'accord. Ah, je suis déçu, je vous le dis, je suis déçu. C'est pas bien, hein. Je précise quand même au cas où. Il y a les goûts et il y a la qualité du jeu. Et là, la qualité du jeu est pas tellement engagée. C'est plus que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais surtout, je trouve ça pas très agréable à jouer. C'est pas dans mes styles de gameplay. Donc, je me sens pas du tout en confort. Allez, bombarde. Ouais, par contre, les chorés et tout, c'est trop réussi. Hein. C'est vraiment, il y a un truc... Tu sens au niveau de l'anime et tout que ça... Ça déconne pas. Mais je trouve ça tellement bordélique. Ok. On va se donner la peine d'aller jusqu'au bout quand même pour voir un petit peu ce que le jeu essaie de faire. Alors par contre on a plus de santé, je sais pas trop comment on recharge. C'était ça? C'était pas forcément ça. Ah. On ne s'était pas compris. Ah.
Ouais, c'est ça. Allez, hop. Il attaque pas. Ouah, lui, il attaque vite. Perturbant, du coup. En fait, j'ai vraiment l'impression que le jeu, il a tout. Mais il lui manque vraiment de l'équilibrage sur, ouais, comme je vous dis, la physique des sauts, la manière dont les ennemis attaquent, la lisibilité, la vitesse des projectiles. Ah, d'accord, donc on a aussi une attaque avec. Voilà, ça, ça manquait un peu. On s'en doutait. Ouais, par contre, vraiment, le système de combat à base de coré et tout ça et les armes engagées, trop bien. Je pense qu'à regarder, c'est plus cool qu'à jouer, par exemple. Aïe. Alors, fais gaffe. Ok. Ah ouais, le truc de la prise là, c'était pas mal aussi. C'est rigolo parce que dans une certaine mesure, ça me fait penser à Dragon Ball Advanced Adventure, qui était le jeu GBA de Dragon Ball. Ouah, putain, ouais, je... Oh, non, la physique des sauts et le côté très... Ouais, un peu bordélique, désolé, des combats. Ça rend le truc assez pénible quand même. Non mais là tu peux rien, tu peux pas voir en fait, tu peux pas voir, tout est de la même couleur, tout est au même niveau de détails, de couleurs, de machin et tout, c'est super dur. En plus j'ai un temps limité, ah non c'est bon, c'est juste un temps de démo. Après je rappelle, hein, c'est un jeu en cours de développement, il peut se passer plein de choses. Mais là il y a trop d'ennemis. En plus là même en termes de level design, c'est galère de... Ah putain, ok d'accord, on peut envoyer les projectiles. Déjà ça change un truc. Oh non, c'était le dernier. Dur. Ouais, la pluie est agressive en plus en termes de visuel. Allez. Ah ouais, non, c'est insupportable. Ah, on peut aussi faire le grappin sur les ennemis. Ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait trop mal au cœur parce que je sens vraiment le jeu qui essaye de ouf de faire un truc trop bien. Et vraiment, ça sent les corées, les machins, les prises et tout, c'est génialissime. Le truc du bâton, la charge, le grappin, t'attrapes les ennemis et tout, enfin y'a un vrai truc. Mais juste ça sent vraiment le jeu qui a été surtout joué par la personne qui l'a fait. Et qui a pas du tout mesuré la violence de son LD. Et de sa physique et de, ouais, de plein de trucs. Ah ouais, en plus ça marche pas. Allez, on bourre. Franchement, la seule chose que je souhaite à cette personne, c'est d'avoir son jeu joué à l'infini là pendant les trucs de... Ah, mais encore un ennemi. Ah, d'accord. Et ouais, pendant les trucs de Steamfest et tout ça, et comme ça, il y aura des retours et ça permettra d'améliorer le jeu à son plein potentiel. Parce que franchement, le potentiel est vraiment là. D'accord, donc là, on voit le coup de pied qui permet d'enlever les boucliers aussi. Trop intéressant. Mais je pense vraiment que c'est un jeu qui aurait mérité d'avoir des duels en fait. C'est là des arènes un peu comme ça où tu les fais un par un et puis tu testes un peu le gameplay et machin. Pas un truc où t'as plein d'ennemis d'un coup, t'arrives pas à lire les contres. C'est inspiré de Ninja Spirit, vous dites, de Irem, d'accord, ok. Allez.
Ah, le grappin et tout. En fait, vraiment, ça tue parce que là, par contre, le jeu est vraiment plein potentiel d'un coup, là. Et là, c'est trop chouette. Mais t'as envie de croire que c'est presque un jeu qui avait pas besoin de système de saut, je sais pas comment expliquer ça. Ah, d'accord. Ah, oui, il y a l'autre jump, évidemment. Aïe, aïe, ah non. Et puis là, je reprends depuis le début. Ah non, ça va. Oh, terrible. Ah non, mais les chorés de combat, elles sont divines. Hein. C'est pour ça que je tiens bon et que je veux vous le montrer malgré tout, parce que vraiment, je pense que moi, ça me parle pas, mais ça parlera à plein d'entre vous. Mais ouais, je vous dis, la physique des sauts, faut l'essayer pour le sentir, mais il y a vraiment un truc qui est tellement dommage, où ça pourrait être tellement mieux, en fait. C'est le fameux syndrome du « tu vois ce que ça pourrait être » et tu te diras « c'est tellement dommage que ça aille pas si à ce niveau-là ». Ah ouais, non, c'est super dur. C'est super dur. Allez, on va y arriver. Je commence à comprendre le rythme du jeu petit à petit. Je dis pas que ça me fait changer d'avis, loin de là, mais c'est juste qu'au moins je comprends un peu mieux ce qui se passe. En termes de rythmique. Merde. Mais c'est pareil, le premier truc qu'on t'apprend, c'est à faire les contres, et c'est le truc le plus dur de tout le gameplay, quoi. Ok, donc là, pour enlever la garde... Ah, mais ce sont des alliés. Ok. Ah, parce que vous voyez, côté coré, ça démonte. Hein. Là, quand on est sur un truc plan et qu'il n'y a pas des systèmes de saut à faire pour aller sur des toits, des machins et tout, c'est 3000 fois mieux. Mais je vous dis, plutôt qu'un... En fait, plutôt qu'un système de saut, il aurait fallu un système de dash. Merde, du coup, je fais pas attention, je parle et je fais pas le truc qui contre ça, ouais. C'est tellement dommage, regardez là, les projectiles, mais t'as envie de crever en fait, ça t'enlève toute la baston. Ah, c'est quoi cette histoire? Ok, donc là il m'explique que je peux les projeter si j'ai envie. Aïe, ouais. Allez, on y retourne. Merde, j'ai pris le feu. Ça y est, voilà, j'ai compris comment on fait pour lancer. Mais vous voyez comment on est agressé, il y a trop d'ennemis. En plus, à chaque fois, ils font des arènes de combat où t'as des trucs à projectiles, t'as le fusil, t'as le machin. Enfin, ça n'a aucun sens. Du coup, tu peux pas profiter de la beauté du gameplay qui est vraiment très beau, quoi. C'est vraiment un problème d'équilibrage.
Cloudy, tu changes la physique du saut un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, tu l'allèges en fait. Et tu changes le level design, c'est-à-dire l'équilibrage des monstres et tout, et déjà ça change mais tout le truc. Là vous voyez typiquement là, la physique de saut elle est infâme pour les modules. Ah ça m'énerve. Désolé, c'est rare que je m'agace, c'est rare, je vais rester calme. Ça m'énerve parce que ça me frustre de voir un truc aussi bien gâché pour un truc aussi con quoi. C'est, je sais pas, imaginez, c'est comme si vous voyez un putain de tableau et puis derrière tu vois quelqu'un qui fait juste au lieu de le faire avec un bon outil, il l'a fait avec un feu de merde et du coup bah c'est dégueulasse quoi. Et tu dis mais alors que le tableau est ouf. Et ça me fait un peu cet effet, c'est que c'est splendide. Vraiment le gameplay il est splendide, l'anime est splendide, tout est trop bien. Mais c'est saccagé par vraiment une grosse faiblesse de... Ouais, d'équilibrage et machin, je sais pas, ma pété. Bref, vous avez compris l'idée. Allez, on se casse. Ça me frustre. Franchement, tu sens que s'ils mettent pas un personnage qui envoie des projectiles, ils sont pas bien. Projectile. Après là ça va, ça, c'est déjà plus cool. J'ai même double dragon sur NES, c'était pas comme ça quoi. Mais vous avez vu la vitesse des trucs, des projectiles ils tirent 18 fois. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Comment tu peux avoir une DA pareille et pas... Ça me fait vriller, ça me fait vriller. Je rage, voilà je rage. Vous me voyez pas souvent rager mais là je rage. Non, là c'est là c'est fini. Genre 5 ennemis dont 2 qui tirent des projectiles, un vers le haut et un en fusil quoi. C'est 18 minutes de jeu. Allez. Il y a une roulade mais c'est à le faire ralentir donc pareil c'est pas idéal. Ah non mais c'est... Règle ça. C'est bon, c'est fini. Parce que vous voyez par exemple là, je savais où aller en premier parce que je savais où apparaissait l'ennemi qui lançait les projectiles. Donc je pense que la personne qui fait le jeu quand on teste le jeu dit bah non ça va, c'est bien équilibré, je galère pas trop, regarde. Mais sauf que la galère pas trop provient d'une connaissance du jeu qui est celle de la personne qui fait le jeu, pas... C'est pas naturel. Allez. Ah alors on a une ulti. Attends quoi, pourquoi j'ai pas sauté?
s'il n'y a pas un tireur, il meurt. Allez. Voilà, ça c'est foutu. Ah là, ça va être compliqué. En plus, en termes de level design, c'est vraiment, il te met tout le temps en difficulté. Par exemple, voilà, je suis toujours vers le bas avec des ennemis qui vont balancer les trucs vers le haut, qu'il va falloir rejoindre tout ça. En même temps que tu dois gérer d'autres trucs. En même temps que tu dois apprendre le gameplay. Alors que les Corées, quoi, ça tue. Oh putain. Prends rien, c'est supportable. Allez. On va y arriver. C'est pareil, je pense qu'un truc qui pourrait vraiment aider le jeu, c'est qu'il faudrait qu'il y ait moins d'ennemis mais qu'ils aient plus de PV. Comme ça, t'as plus le temps de sentir tes combats. Et surtout, t'as besoin de moins d'ennemis à l'écran pour faire la difficulté, parce que là, c'est n'importe quoi le fait qu'il y en ait autant. Ah, j'ai pas vu comment je pouvais monter par contre. Faut que je lui renvoie ces trucs, je pense. Ah non mais... Ah non, c'est vraiment... C'est terrible. C'est terrible. En plus, il met le feu et le feu, je sais pas si vous avez compris, mais ça me défonce en termes de PV. Ah, je lui souhaite vraiment à ce jeu d'être joué, commenté et affûté. Parce que vraiment, il y a vraiment un potentiel trop bien. Si je rage autant, c'est parce que vraiment je vois le génie du truc et que ça rend fou. Ok, ça y est, descend. Alors. Que là, vous voyez, sur un combat au sol, c'est cool, hein. Ah merde, c'est une attaque de feu.
Aïe. Trop bien. Ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment trop bien. Là la partie duel elle est vraiment efficace. Merde, deux fois que je me fais avoir pour ça. Merde, fallait sauter. Ouais là avec le feu ça faisait trop de dégâts. J'ai raté le... Là vous voyez le pari il marche bien, après il manque un feedback pour dire qu'il a réussi quand même. Là vous voyez on le sent bien le truc Sekiro-like quand même. Aïe! J'ai raté la parade ouais. Je vais me la prendre à chaque fois celle-là. Ah! Waouh! Je crois qu'il est bloqué. Abusé. Le boss qui peut pas mourir. Ok, bon le combat était trop bien. Le combat était vraiment trop bien. C'est là que tu vois le potentiel du jeu. En fait, c'est là que tu vois ce que la personne a envie de faire. C'est-à-dire un truc duel arme blanche, machin, etc. Les gardes, les trucs, choper, faire les prises. Enfin, c'est vraiment un Dragon Ball Advance Adventure plus. Mais juste, trop d'ennemis, trop d'armes de jet, physique des sauts cassés trop rapide, imperceptible. Les armes, les trucs, les projectiles pas visibles non plus. Ils vont beaucoup trop vite par rapport à un Castlevania ou un truc comme ça par exemple. Enfin, il y a vraiment un truc de lisibilité. Et puis ouais non, dosage et encore dosage. Mais alors par contre voilà, si on devait résumer la session déjà juste parenthèse. Désolé d'avoir ragé, mais comme vous le savez, je suis très passionné de mon sujet. Le jeu vidéo c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Ce genre de jeu là c'est vraiment un domaine qui me parle énormément. Et donc j'ai vécu une frustration très forte à l'idée de voir un tel potentiel un peu, selon moi, c'est ma perception, mais gâché par plein de décisions qui me semblent pas les bonnes quoi. Et du coup, voilà, si on veut faire le bilan un peu lucide, le concept il est trop bien, le concept il est béton, le gameplay, l'animation, la manière dont tu gères les ennemis, les machins et tout ça, c'est vraiment super réussi. Mais juste, voilà, à mon avis, avec ce potentiel là, ces outils là de game design, on peut level designer et construire un jeu, structurer un jeu de manière bien plus harmonieuse et équilibrée. Et surtout bien plus plaisante, parce que le but c'est ça en fait, c'est de faire un truc qui soit agréable à jouer. Et là c'est sûr que, ouais, il y a trop d'ennemis, trop de trucs un peu flingués, tout ça, au niveau de la manière dont ça fonctionne. Donc c'est vrai que voilà, le potentiel est là, maintenant j'espère vraiment que les choses pour ce jeu-là, en tout cas, pour qu'il puisse choper un plus grand public, plaire, convaincre plus de monde, et ne pas juste se réserver aux énormissimes tryharders qui ne sont pas dérangés par ça, et ça s'entend, ok. Mais c'est vrai que ouais, je souhaite à cette personne d'avoir un succès à la hauteur du travail investi, parce que là, il y a un travail phénoménal qui a été abattu, quoi. Donc voilà. En tout cas, on va faire la pause ici. C'était donc Demon Crush, pardon, qui est disponible sur Steam en démo. Et du coup, voilà, qui est un action platformer avec quelques idées ici et là de grappins, de parades parfaites, de prises, de bâtons pour faire des grosses chutes, de gardes pétés avec Baix et tout ça, il y avait vraiment des bonnes idées. Et bon, voilà, j'espère qu'au moins la vidéo vous a plu et que c'était pas trop chiant à regarder. Allez, je file, bye, à la prochaine.